Dimanche matin, jour d'anniversaire des Gilets jaunes, au commissariat central de Nice, la police est mobilisée pour repérer les points de rassemblement. Ça, c'est la situation de ce matin à Saint-Isidore ? C'est en direct. On est en direct. Pas grand monde alors pour l'instant ? Non, nous avons deux personnes sur site. Ici, c'est le centre de supervision urbain de Nice. Il y a un certain recul, une certaine phase d'observation, une certaine tempérance, une certaine tranquillité. On peut prendre un peu plus de recul pour donner des opérations qui soient plus efficientes et plus effectives en arrivant sur le terrain. C'est à Antibes, rond-point de Provence, qu'a lieu le rassemblement. Plus de 200 personnes, pacifiques et déterminées. Les forces de l'ordre sont déployées à distance. Pour l'instant, ça se passe bien, donc le but est de sécuriser au maximum et de ne pas générer le moindre incident qui pourrait faire déraper d'un côté ou de l'autre. Les manifestants obtiennent l'autorisation pour une action péage gratuit. 30 minutes de barrières levées sous le regard des gendarmes. J'ai pas de batte de baseball, j'ai pas de boule de pétanque. J'ai mon casque parce que j'ai une moto, vous voyez. Et mon casque, je le porte pas sur la tête pour aller charger la police. Je respecte la police comme je respecte le reste. Puis en milieu d'après-midi, les gilets jaunes bloquent momentanément l'accès à l'autoroute. Ce soir, retour à la normale. Ils ont quitté le rond-point aux alentours de 17h, comme convenu avec les autorités.